Nous recevrons en avant-première sur 2M l'artiste marocaine qui est en train de conquérir le monde depuis le Canada. Fawzia Ouihia nous parlera de ses collaborations avec de grands noms de la chanson. Et voilà pour cet entretien que nous avons enregistré jeudi après-midi pour des raisons de disponibilité de Mohamed Bougarsar. Une autre pointure maintenant dans l'univers de la musique cette fois. Fawzia est née à Casablanca et c'est au Canada qu'elle a percé dès l'âge de 6 ans. Elle se met au piano, à la guitare et au violon. L'artiste développe ainsi un goût certain pour le classique, ce qui ne l'empêche pas de développer par ailleurs une admiration pour des chanteuses comme Rihanna ou Beyoncé. Elle ne tardera pas à faire elle aussi des millions de vues avec des morceaux qu'elle poste sur YouTube. Sa carrière, elle l'amène en parallèle de ses études avant de signer avec le label qui gère Coldplay et Ed Sheeran, rien que ça. Et il y a quelques jours, elle a sorti ce titre, Puppet, dont vous voyez le clip en ce moment même. Fawzia, que l'on retrouve en direct et en duplex de Winnipeg au Canada, bonsoir et bienvenue. Vous avez rencontré un succès particulièrement fulgurant et cela ne fait que commencer. Fawzia, comment parvient-on lorsqu'on a la vingtaine à peine à garder la tête sur les épaules? J'étais vraiment entourée par des personnes qui étaient sincères comme ma famille et mes amis. Et ils ont un rôle très important dans ma vie, puis ils me gardent les pieds sur terre. Dans votre dernier titre, Puppet, qu'on vient de voir, vous dites refuser d'être une marionnette. C'est une manière, par ailleurs, d'exprimer votre militantisme féministe. La chanson, je l'ai écrite, c'est vraiment pour tout le monde. Et tout le monde qui s'est senti qu'ils ont été manipulés, spécialement les jeunes femmes qui se sont senties de cette façon dans leur vie. Et est-ce que Puppet figurera dans votre premier album que vos fans attendent avec impatience et notamment notre chef d'édition, Mohamed Al-Khalifi, qui vous suit particulièrement? Je travaille encore sur mon album et il y a vraiment un grand choix de chansons. J'ai écrit des centaines de chansons et juste rester à l'écoute, ça s'en vient et j'ai hâte de présenter mon projet à mes fans. Vous avez déjà collaboré avec de grands noms comme John Legend ou David Guetta. Vous avez mis la barre très haut pour de futurs featuring. Est-ce qu'il y en a déjà de programmés à l'avenir? C'était vraiment un honneur pour moi de travailler avec les grands de l'industrie que j'écoutais pendant mon enfance. Mais ceci n'empêche que je ferai pareil avec d'autres et je suis toujours à l'écoute de nouveaux talents et d'autres personnes à qui je peux collaborer. Côté inspiration, vous dites aimer les voix de divas comme Céline Dion, la Canadienne, ou Kelsoum, Fairouz ou Beyoncé. Ça fait un sacré mélange quand même. Oui, c'est vraiment un mélange, mais c'est pas vraiment surprenant parce que mes parents sont 100% marocains et je suis aussi 100% marocaine. J'étais née au Maroc, alors j'étais exposée à plusieurs genres musicaux et cela influence mon style musical jusqu'à présent. Et vous êtes installée au Canada depuis l'âge d'un an. Vous êtes née à Casablanca, vous le soulignez. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre Maroc natal? On a vraiment gardé tout. Je parle encore l'arabe à la maison et on a gardé le salon marocain, les habits et spécialement la nourriture. Vous chantez aussi en arabe. D'ailleurs, il y a des morceaux de vous qui circulent sur Internet, des reprises. À quand un titre de Fawzia dans sa langue maternelle, pourquoi pas en derija? J'ai déjà incorporé l'arabe dans ma dernière chanson Puppet. C'était un mot qui est dans l'arrière-plan. Et j'ai fait des covers de chansons arabes et je chante toujours la musique arabe à la maison. Alors vraiment, j'attends juste la meilleure composition avant que je lance un single en arabe. Vous êtes toute jeune, Fawzia, à peine 21 ans. Et votre carrière, elle a démarré alors que vous étiez encore lycéenne. Comment est-ce que vous avez géré les deux de front? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous consacrez exclusivement à votre carrière artistique avec un label des plus renommés? Pardon, j'ai pas entendu la question. Quand votre carrière a démarré,
Vous étiez encore lycéenne. Comment est-ce que vous avez pu gérer les deux de front en même temps? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous consacrez exclusivement à votre carrière artistique? Je fais encore les deux et j'essaie de mon mieux de faire mes études et la musique. Et vraiment, c'est juste, ça a pris beaucoup de dédication et j'étais vraiment dédiée à ma carrière et à mes études. Et j'avais beaucoup d'organisation et mon équipe et ma famille et mes amis m'ont beaucoup aidé aussi. Alors, c'était vraiment un effort d'équipe. Quel est le prochain morceau que vous préparez? À quoi il va ressembler? Quelle sonorité? Est-ce que vous pouvez déjà nous en donner un avant-goût? Vraiment, à ce point-là, je ne sais pas c'est quoi la prochaine chanson parce qu'il y a plusieurs chansons qu'on essaie de décider. OK, c'est quoi laquelle qu'on va lancer, mais vous pouvez vous attendre à vraiment une grande variété de chansons qui s'en viennent. Eh bien écoutez, on attend ça avec beaucoup d'impatience. En tout cas, on vous remercie infiniment, Fawzia, d'avoir été en direct et en duplex avec nous depuis Winnipeg au Canada, où toute la famille est installée. Merci. À très bientôt.